content que le gouvernement fait nommer un nouveau chairman au niveau SICOM. Donc, nous, ce que nous attendons du chairman, c'est qu'il commence le travail pour mettre un bon lot. Et là, nous connaissons le poste de Human Resource Manager dans beaucoup de zones d'hommes. Qui recrute un Human Resource Manager, il n'allait. Donc, nous devons une fois pour toutes remplir ce poste-là. Le scope of promotion pour mon travailleur, libérer toujours un point noir. Donc, nous devons dire qu'il est bien assisé pour que le scope of promotion, mon travailleur, pour qu'il ait 10 ans, 15 ans, il piétine en place pendant qu'il y a une politique de training, pendant qu'il y a une career post pour mon camarade. Donc, nous avons aussi une zone d'homme que nous pose une question. Donc, nous avons quand même un CEO qui, pas mal de temps, est à l'extérieur, mais nous apprenons qu'il est PCS d'Orbaud, c'est-à-dire son nom encore d'Orbaud. Grand point d'interrogation, est-ce qu'il y a encore peut-être tous les sommes qui sont board members gagnés ou pas? Donc, c'est une high time pour mettre un load et pour remplacer sa personne qui n'est pas présente, pas dans Maurice, qui n'est pas PCS d'Orbaud là. Nous avons envie que le rapport salarial, maintenant, il fait dans toute transparence. Nous avons une recognized trade union là-bas. Donc, nous avons envie qu'une fois pour toutes, le rapport est dû l'année prochaine, 2019. Comme on connaît, PRB est finiquement besoin, quoi que PRB ait un peu de temps, PRB est finiquement besoin. Il finit un mémorandum tout le syndicat. Et maintenant, il fait une high time pour que ce rapport qui besoin. Il ne faudrait pas, quand nous trouvons quelque chose qui est enlevé, là, on a juste pas gagné le temps. Ou tout le salaire commissionnaire venez, vous connaissez mon gars assez le temps, mais nous avons trop de les temps. Nous commençons de maintenant, travail, guetter comment travailler, c'est qui est fatigué en vacation, et là, nous veut dire, nous avons qui va travailler un PRD, pour nous capables assis ensemble, nous mettre la tête ensemble pour nous trouver une bonne solution. 76% du monde d'accord qu'il y a besoin d'un mouvement syndical dans SICOM, donc SICOM, ça veut dire qu'il y a un grand besoin, beaucoup du monde reste tranquille, mais il y a un grand besoin de sa négociation là. Si pas pour une négociation, bien sûr, nous n'avons pas d'autre solution. Nous pouvons déclarer l'étude, nous pouvons manager un instrument de Ministry of Labour, nous avons conciliation et médiation, nous pouvons passer par conciliation, mais si nous avons un deadlock, nous avons également, moi je connais le syndicat, et dans ce que nous appelons nos armes ultimes, nous avons des armes, c'est manifestation, et in the long run, nous sommes capables aussi d'entamer une procédure légale pour nous entamer la grève. Thank you.